ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا خلفا. أما بعد يا إخوتي الكرام، نحن في باب جديد من أبواب هذا الكتاب دعائم منهاج النبوة، مؤلفه محمد سعيد رسلان حفظه الله تبارك وتعالى. فقد وصلنا إلى طريق الخلاص بالاتباع وترك الابتداع، ce qui signifie la voie du salut ou de la délivrance dans ou réside dans le suivi et le délaissement, dans le suivi du prophète et le délaissement des innovations. La voie du salut et de la délivrance réside dans le suivi, autrement dit, suivi du prophète et des compagnons, et le délaissement des innovations religieuses. طيب قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجماع الدين أصلان ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Cheikh l'Islam dit, l'essentiel de la religion repose sur deux fondements. Le premier, on ne doit adorer qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le deuxième, on ne doit l'adorer que parce qu'il a légiféré, et non par des innovations religieuses. Al-ikhlasu wa tajridu mutaba'ati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah le dit, et quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Vous voyez que dans ce verset coranique, c'est un verset que vous connaissez, il y a justement ces deux fondements ou ces deux conditions d'acceptation des actes auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. La première condition, c'est que l'acte doit être sincère envers Allah. D'accord ? L'acte doit être sincère envers Allah. Tout acte qui n'est pas sincère envers Allah, même s'il est conforme à la sunna du prophète, cet acte est rejeté. D'accord ? Cet acte est rejeté. De même, tout acte qui est sincère envers Allah, mais qui n'est pas conforme aux enseignements prophétiques, il est aussi rejeté. Donc ces deux conditions qui ne peuvent se dissocier l'une de l'autre et dont on ne peut y déroger. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية العظيمة وهذان ركن العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن كثير, qui je vous le rappelle est un savant du 8e siècle de l'Hégire et qui est un des élèves de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, a dit dans l'explication de ce verset coranique, voici les deux piliers ou les deux fondements des actes acceptés auprès d'Allah. Il est nécessaire que l'acte soit adressé sincèrement à Allah et en conformité avec la législation de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça vient corroborer ce qu'avait dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Cheikh l'Islam a dit aussi,
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع فإن الإسلام مبني على أصلين أحدهما أن لا نعبد الله وحده لا شريك له أن نعبد الله وحده لا شريك له والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا نعبده بالأهواء والبدع قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا Cheikh l'Islam a dit les actes d'adoration sont basés sur la législation et le suivi, non pas sur les passions et les innovations dans la religion. L'islam est basé sur deux principes. On ne doit adorer qu'Allah lui seul sans associé. Deuxièmement, on ne doit l'adorer qu'à travers ce qu'il a légiféré par le biais de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, non pas à travers les passions et les innovations religieuses. Allah dit, puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ils ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et Cheikh l'Islam dit aussi, قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله Ou bien auraient-ils des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Donc tous ces versets, mes frères, qu'a cité Cheikh l'Islam, Al-Hafidh ibn Kathir et autres savants, ce sont des versets qui constituent des bases et des fondements pour nous, des versets références sur lesquels on doit s'appuyer, des versets qui nous montrent clairement que les actes ne sont acceptés que s'ils sont adressés sincèrement à Allah et conformes à la législation de l'islam. Hein? Et Cheikh l'Islam dit aussi فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب لا نعبده بالأمور المبتدعة. Il vient encore expliquer et appuyer ce qu'il a dit auparavant. Il dit, il n'est permis à personne d'adorer Allah qu'à travers ce qu'a légiféré son envoyé sallallahu alayhi wa sallam comme acte obligatoire ou recommandé. Nous ne l'adorons point par des actes ou paroles inventées ou innovées. D'accord ? Cheikh Raslan dit, en commentaire de ceci, فَإِيَّاكَ وَإِعْمَالِ الْعَقْلِ فِي مَا لَا مَجَالَ لَهُ فِيهِ وَإِيَّاكَ وَالتَّأْوِيلَ الْفَاسِدِ إِيَّاكَ وَمَنَاهِجَ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ وَالْإِنْحِرَافِ وَالْبِدْعَةِ تَمَسَّكْ بِغَرْزِ سَلَفِكَ الصَّالِحِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمِينِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ Il dit, Hafidahullah, prends garde d'utiliser la raison dans des domaines qui ne lui sont pas autorisés et qui ne relèvent pas de sa capacité. On l'avait déjà expliqué ceci. Prends garde de la mauvaise interprétation. At-ta'wil al-fasid. Rappelez-vous mes frères, on avait cité deux paroles très importantes. Et on avait dit que toutes les innovations religieuses, à la base, elle découle d'une mauvaise compréhension de la religion. Je vous avais cité la parole de Ibn Abil Izz al-Hanafi, celui qui a fait le commentaire de Tahawiyya. Il a dit هل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد C'est-à-dire, les khawarij sont sortis du groupe des croyants. Les Mu'tazila se sont écartés de la voie de la Sunna. Rawafid, qui sont les Shia, les chiites, ont refusé quoi ? Le califat d'Abu Bakr wa Omar. La communauté s'est divisée en 73 sectes, comme l'a annoncé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est que par la mauvaise explication, la mauvaise compréhension, non ? Ou la fausse interprétation des textes religieux. Je vous avais aussi ramené la parole de Ibn Qayyim al-Jawziya fi I'lam al-Muwaqqi'in où il avait dit wa bil jumlati
فافتراق أهل الكتاب وافتراق الأمة على 73 فرقة إنما أوجب التأويل إنما أوجبه التأويل. Il a dit les dissensions ou les divisions chez les gens du livre et les divisions qui sont survenues dans notre communauté en 73 sectes ne sont le fruit que de la mauvaise interprétation des textes religieux. Ta'wil al-fasid. C'est pour ceci que Cheikh Rassane ici nous demande de prendre garde de ce point-là en disant prends garde de la mauvaise interprétation. Ceci pour nous inciter à revenir à la compréhension qui était celle des compagnons du prophète, alayhi salam, qui eux ont été agréés dans toutes choses, comme on l'a vu, et notamment dans leur compréhension de la religion. Hein? Donc, comprendre les textes religieux comme l'ont compris le prophète et les compagnons du prophète. Cheikh Rassane dit aussi, Hafidah Allah, prends garde des voies des gens de la déviance, de l'égarement et de l'innovation religieuse. Accroche-toi à la voie de tes pieux prédécesseurs parmi les compagnons du prophète et de ceux qui les ont suivis dans le bien. Et on avait étayé les preuves de ceci. Le cheikh avait étayé pas moins de 14 preuves, à fois 12 preuves, sur l'obligation de suivre les compagnons du prophète. Rappelez-vous, revenez au cours, Inch'Allah, pour précédent. Donc mes frères, ce chapitre-là vient nous expliquer un petit peu ce fondement, ou nous rappeler ce fondement qu'on connaît déjà, à savoir que l'acte n'est accepté que par deux conditions. La sincérité, l'ikhlas. N'am lillahi tabaraka wa ta'ala. Et la deuxième chose, c'est le suivi scrupuleux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète. D'accord ? Certaines personnes vous diront, je suis la sunna du prophète, mais il suit en parallèle aussi d'autres voies, en opposition ou en contradiction avec celle du prophète. Ce qui nous est demandé, bien sûr, c'est de suivre la voie du prophète et elle seule. Tajridu mutaba'ati sunnati rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Fahimtum ya akhwa ? Vous avez compris ? Tayyib. Voilà pour ce chapitre qui est court, Inch'Allah, je voulais résumer. Pour ceux qui veulent approfondir un petit peu plus, le Mu'allif ramène un peu plus d'arguments qui viennent appuyer ceci. Taïb. Le chapitre qui suit a été intitulé par l'auteur « Amar Allahu bil ijtima'i 'ala al-haqqi ». Allah a ordonné de nous rassembler sur la vérité. Voilà comment s'appelle ce chapitre. Allah nous a ordonné de nous rassembler sur la vérité. Yaqul, Amara Allah subhanahu wa ta'ala al-ummata bil-ijtima'i wal-i'tilafi wal-ittihadi al-kalima ala an yakuna al-asas li hadha al-ijtima'i الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الداعين إلى الإسلام على غير منهاج النبوة يدعون إلى الاجتماع ودعوتهم إلى الاجتماع باطلة لأنها مبنية على أصل باطل وهو أنهم يقولون يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Cheikh Rassane a dit, Hafidahullah tabaraka wa ta'ala, en préface de ce chapitre, Allah a ordonné la communauté à l'union, le rassemblement et l'unification des gens sur un même discours, sur une même parole, sur une même voix. De telle sorte que la base de cette union devrait être l'attachement solide au livre d'Allah et à la sunna de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, beaucoup de prêcheurs à l'islam, sur une voie autre que la voie prophétique, appellent à l'union. Appellent à l'union et à l'unification. Mais leur appel ou leur prédication à cette union est fausse et mensongère. Car elle est basée sur une voie fausse et mensongère. Ils disent, ces gens-là, ces prédicateurs,
qui sont sur une autre voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui appellent à l'union des musulmans. Ils disent quoi? Nous nous excusons les uns les autres sur les choses sur lesquelles nous divergeons. On va expliquer ça en détail, Inch'Allah, parce que nous sommes directement concernés par ce genre de propos aberrants et mensongers et faux. يقول المؤلف إذن فإذا وقع اختلاف في الاعتقاد أو كانت مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذا أصل فاسد. هذا كلام شيخ, هذا كلام المؤلف. Il dit, par conséquent, une divergence dans la aqida, dans le dogme ou le credo, ou une infraction ou une transgression à l'envoyé d'Allah, n'est pas préjudiciable. Ce sont leurs dires. Nous nous entraidons sur quoi nous sommes unanimement en accord. Et nous nous excusons sur les choses sur lesquelles nous divergeons. Et Cheikh Al-Hassan dit, en conclusion, ceci est un fondement faux et invalide. Pourquoi ce fondement est faux et invalide? Ce fondement-là, cette qaïda, il l'appelle même qaïdatun zahabiyya. C'est une règle en or qu'il l'appelle. Nahnu nu'inu ou nata'awanu fima attafakna fihi wa na'adhiru ba'duna ba'dan fima akhtanafna fihi. C'est-à-dire, sur les choses sur lesquelles on est en accord, nous nous entraidons, nous nous soutenons, nous avançons ensemble. Sur les choses sur lesquelles nous sommes en désaccord, nous nous excusons, nous fermons les yeux, nous passons. Alors, Cheikh Al-Athaymi l'a dit, cette règle-là, elle s'appelle qa'idatun khashabiyya. C'est une règle en bois, pas une règle en or. Laysat qa'idatan zahabiyya, bal hiya qa'idatun khashabiyya. C'est une règle en bois qui vient détruire les fondements de l'islam. Pour quelle raison, mes frères? Car, comme on va le voir, Inch'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala nous demande, lorsque nous sommes en désaccord sur une chose, notamment les choses de la religion, et à plus forte raison sur les fondements de la religion, Allah nous demande de quoi? De trancher le différent à la lumière du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ramènerai, Inch'Allah, je vais vous ramener le verset coranique en question. Alors que ces gens-là disent, non, ce n'est pas grave, fermons les yeux et passons sur autre chose. Ne réglons pas le différent, car c'est une cause de division et de désaccord. Vous voyez qu'ils sont en opposition directe avec le verset coranique. Le mu'allif dit, فَمَنْهَاجُ التَّجْمِيعُ c'est-à-dire cette voie de rassemblement, tajmir, c'est-à-dire unifier les musulmans malgré leurs différences dogmatiques, malgré leur différence du point de vue de leur méthodologie, de leur voie qu'ils suivent. Manhaj. فَمَنْهَاجُ التَّجْمِيعُ عَلَى أَنْ يَعْذِرَ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ يَدُغْرُ وَلَا يَنْفَعُ لِأَنَّ الَّذِي لَا يَأْخُذُ بِالْجَادَّةِ لا يسير على السوية لا يمكن أن يتأتى منه خير كيف وهو مخالف لخير البرية صلى الله عليه وسلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شغر في ابتداع من خلف. Il dit que cette voie-là qu'ils suivent à l'unification des musulmans sous un même étendard, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur différence au niveau de leur point de vue, leur méthodologie, leur voie qu'ils ont suivie, etc., etc. Quant au fait qu'ils s'excusent les uns les autres sur les choses sur lesquelles ils divergent, ceci est préjudiciable et ne rapporte aucun profit. Yadurru wa la yanfa. Car celui qui n'est pas sur la voie droite et qui ne chemine pas sur la voie de l'islam que nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là ne pourra jamais ramener du bien avec lui. Non? Comment ceci pourrait être possible alors qu'il contredit la meilleure des créatures, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le bien réside dans le suivi des salafs, des pieux prédécesseurs, et en premier lieu les sahaba, et tout le mal réside
dans l'innovation avec les successeurs. Le khalaf. Et ici, khalaf, quand on dit khalaf successeur, ce n'est pas d'un point de vue historique ou chronologique. C'est khalaf dans le sens ceux qui ont contredit des salaf. Puis le mu'allif, il dit, لَقَدْ دَعَ الدِّينُ الْحَنِيفُ إِلَى الْإِجْتِمَاعِ وَالْإِتِلَافِ وَنَهَا عَنِ الْفُرْقَةِ وَالْإِخْتِلَافِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَغْرَكُوا. Le mu'allif, il dit, la religion de droiture appelle à l'union et à l'unification. Et elle a interdit la division et le désaccord. Allah dit, et cramponnez-vous à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Si je vous pose la question, mes frères, quel est le sens de corde d'Allah? Wa'tasimu bihablillah. Qui peut m'expliquer, Yahya? Non. Younous. Pareil. Indal. Ewa. Jamel. Akhi. Non. Hablullah huwa kitabuhu wa dinuhu wa sunnatu rasulihi alayhi salatu wa salam. Wa hada huwa hablullah. Donc Allah nous demande de nous unir. Mais pas dans l'absolu. Ce n'est pas une union dénué de tout sens. Allah n'a pas dit wajtami'u ou tajamma'u, mais il a dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Donc il nous a demandé de nous unir, mais sur la vérité, sur l'islam, sur le livre d'Allah, autour de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'union qui est demandée. Comme certains aiment à le dire, ce n'est pas juste une union comme ça autour de principes qui sont contraires aux enseignements prophétiques ou sur des principes mondains ou sur des principes philosophiques ou autres. Mais c'est une union qui est basée sur une science, le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Cheikh Raslan dit, la religion de droiture qui est l'islam appelle à l'union et à l'unification et il a interdit la division et le désaccord. Et Allah dit, et cramponnez-vous à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Allah dit aussi, tabaraka wa ta'ala, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ce que le messager vous donne dans toute chose, dans la croyance, dans les actes, dans le comportement à adopter. Puis il dit le mu'allif, La rukhsata li ahadin fi tarki shay'in ja'a bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. ولا يجوز تقديم قول أحد على قول الله تبارك وتعالى والله عز وجل يقول لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Personne n'a l'autorisation de délaisser une chose par laquelle est venu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il n'est pas permis de faire devancer la parole d'un tiers sur la parole d'Allah. Regardez bien ce que dit Allah dans le verset coranique, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Prenez ce que le messager vous donne. L'ordre, il vient de qui, mes frères? Il vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il nous demande, il nous ordonne de prendre ce que le messager nous rapporte. Pas une tierce personne. Celui dont on doit prendre la religion, c'est l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ceci sur ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. يَقُولُ الْمُؤَلِّفْ حفظه الله تبارك وتعالى فيجب علينا أن نتلقى العقيدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من أفكار الناس ولا من نظرهم ولا من أذواقهم ولا من مواجيدهم ولا من المتكلمين ولا من الصوفية ولا من الزائغين الضالين الذين يتبعون مناهج التجميع في مسائل الاعتقاد إلى غير ذلك من المناهج المنحرفة. وقد قال الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. Il nous est donc obligatoire de puiser notre croyance de l'envoyé d'Allah au regard du verset coranique que je vous ai cité, et non pas des idéologies des gens, non plus de leur point de vue, ni de leurs sentiments ou de leurs ressentis. Beaucoup de gens prennent la science de leur chouyour, alors qu'eux-mêmes se basent sur des sentiments qu'ils ont expérimentés, ou alors ils prennent la science de leur raison, et uniquement de leur raison. C'est leur raison qui constitue leur révélation première. Ils font abstraction des textes religieux. Alors, Mu'allif nous dit, il nous est donc obligatoire de puiser notre croyance de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et non pas des idéologies des gens, non plus de leur point de vue, ni de leurs sentiments ou de leurs ressentis. Non plus des philosophes ou des soufis, des déviants égarés, ceux-là même qui suivent les voies du rassemblement dans la croyance ou autre. C'est-à-dire que certaines personnes, malgré les divergences qu'ils ont dans la croyance entre eux, ils vont appeler au rassemblement. Ça, on le voit à notre époque, mes frères, vous avez un exemple concret devant vous. C'est ceux qui essayent de faire un rapprochement entre les sunnites et les chiites. Non ? Sous la bannière de l'islam. Alors que les chiites considèrent les gens de la sunna comme des mécréants. Il faut le savoir, mes frères. Alors que les chiites divinisent leurs imams, les aiment au même niveau qu'Allah, leur attribuent des qualificatifs et des caractéristiques divines, propres à la seigneurie d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en disant qu'ils connaissent ce qu'il y a dans la table gardée, qu'ils dirigent les atomes de l'univers avec Allah et d'autres aberrations. Et après ça, des gens de la sunna veulent faire un rapprochement entre sunnites et chiites en s'appuyant sur cette règle en bois qui dit les choses sur lesquelles on est en accord, nous nous aidons, nous nous entraînons dans ceci. Les choses sur lesquelles nous sommes en désaccord, nous fermons les yeux et nous faisons abstraction d'elles. Je pense notamment à Dr. Youssef Al-Qardawi et ceux qui le suivent et ceux qui l'ont précédé dans ceci. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des plus connus à notre époque qui appelle à cette voie-là. Alors, Shir, il dit ici, ceux-là même qui suivent les voies du rassemblement dans la croyance aussi, ou autres parmi les voies égarées. Allah dit, ô vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager, et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez, quand le Coran est récité, ou quand le prophète donne des exhortations, ou quand il appelle à la voie droite, ne vous détournez pas de ceci. Donc, ce verset coranique s'adressait aux sahaba, mais il s'adresse aussi à nous. Nous avons à notre époque, à notre disposition, tous les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Avec ce travail d'investigation qu'ont fait nos pieux prédécesseurs. À savoir, l'étude de chaque hadith, quant à savoir s'il est fiable, authentique, ou il est faible et non valide. Yaqulu al-mu'allif. وأمرنا الله عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله nous ordonne lors des divergences, conflit ou dispute, de ramener l'objet du conflit à la lumière du livre d'Allah et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent l'autorité. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager. Le Mujahid, il a dit, renvoyez-le au livre d'Allah et à la sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. On remarque dans ces versets coraniques qu'Allah a réitéré le verbe obéissez.
Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez à l'envoyé, à son messager. La réitération du verbe obéissez nous montre clairement que l'ordre d'Allah et l'ordre du prophète ne font qu'un. Il n'y a aucune différence entre les deux. On l'avait déjà vu ça, mes frères. Fil ahkam al-shar'iyya, fil halal wal haram. Dans les actes d'adoration, dans les règles religieuses, al halal wal haram, al wajib, mustahab, toutes ces choses-là, qui conditionnent un petit peu nos ibadat, il n'y a aucune différence à faire entre l'ordre d'Allah, l'ordre du prophète, l'interdiction d'Allah, l'interdiction du prophète. Naam, wa kilahuma ala haddin sawa. Les deux sont au même niveau. Ça, c'est pour réfuter sur ceux qui disent si je trouve une chose dans le livre d'Allah, je la fais. Si je ne la trouve pas dans le livre d'Allah, je ne la fais pas. Sans regarder si la chose, elle existe dans la sunna du prophète. Hein? Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou la sunna du prophète est venue expliquer le Coran. Donc Allah a réitéré le verbe pour nous montrer que l'ordre d'Allah et l'ordre de l'obéissance à Allah plutôt et l'obéissance au prophète, elles sont indépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire que lorsque j'obéis au prophète, c'est comme si j'avais obéi à Allah. Et lorsque j'obéis à Allah, c'est comme si j'avais obéi à l'envoyé d'Allah. Non? Alors que concernant les détenteurs de l'ordre, le verbe n'a pas été réitéré. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au prophète et à ceux qui détiennent l'ordre, c'est-à-dire les dirigeants et les savants. Vous voyez qu'ici, le verbe obéissez n'a pas été réitéré pour cette troisième catégorie, les détenteurs de l'ordre. Pourquoi? Car eux, leur obéissance, elle est conditionnée par l'obéissance d'Allah et l'obéissance du prophète. Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Il n'y a aucune obéissance adressée à une créature dans la désobéissance d'Allah. Autrement dit, si un dirigeant vous ordonne de faire une injustice ou quelque chose de haram, vous ne lui obéissez pas. Si un savant vous ordonne de faire du haram, vous ne lui obéissez pas. Non? Si un savant ou un gouverneur vous ordonne une chose, regardez si elle est en conformité avec les enseignements d'Allah et du prophète. Si un gouverneur ou un savant vous interdisent une chose, regardez si l'interdiction a déjà été stipulée par Allah et son prophète. Vous voyez? Donc, leur obéissance à eux, ou lil amri minkum, parmi les musulmans, les détenteurs de l'ordre, parmi les musulmans, c'est-à-dire les gouverneurs et les savants, leur obéissance, elle est conditionnée par l'obéissance d'Allah et du prophète. Ça, c'était concernant le début du verset. Mais ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie du verset. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Et si vous vous disputez sur une chose, si vous êtes en désaccord sur une chose, ou en opposition sur une chose, alors ramenez l'objet de cette dispute au livre d'Allah et à la sunna du prophète. Et non pas de fermer les yeux et de s'excuser mutuellement les uns envers les autres, ce n'est pas grave, continuons à avancer. Mais dans ce cas-là, avançons dans quel sens? Sur quelle base on va avancer? Puisque toi, tu es sur une voie et moi, je suis sur une autre voie. Sur quelle base va-t-on avancer? Et pour revenir sur ceci, je reviens à ceux qui veulent faire le rapprochement entre sunnites et chiites. Il faut bien comprendre une chose, mes frères. C'est que les chiites ne feront aucune concession sur leur religion. Les gens de la sunna sont prêts à faire des concessions. Du moins, ces gens-là. Mais les chiites ne feront aucune concession sur leur religion. C'est comme si demain, pour se rapprocher, les gens de la sunna diront aux chiites, par exemple, aux marajir, c'est-à-dire les grands savants chiites, ils leur diront, voilà, dans un souci de rapprochement entre nos deux écoles de pensée, vous arrêtez d'insulter Abu Bakr wa Omar wa Aïcha. Ou alors, vous arrêtez de demander l'intercession ou le secours ou l'aide de l'Hussein qui est mort. Pensez-vous une seule seconde qu'ils vont déroger
à ces principes fondamentaux dans leur religion. Jamais de la vie. Le rapprochement, il n'est pas possible. La vérité et le faux ne se réunissent jamais. D'accord ? Comme on dit, les deux opposés ne peuvent se rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelle est la solution à adopter ? Quelle est la méthode ou la voie à adopter concernant les querelles qui peuvent survenir dans la communauté ? C'est renvoyer la chose à la lumière du livre d'Allah et la sunna du prophète. Et c'est ce que font les savants de la sunna. Et c'est ce qu'ont fait les savants de la sunna à toute époque et en tout temps. Regardez toutes les munazarat, tous les niqash, toutes les discussions et les polémiques qu'il y a eu entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation. À chaque fois, les gens de la sunna ramenaient les gens de l'innovation au livre d'Allah et à la sunna du prophète. Ramenez la chose au livre d'Allah et à la sunna du prophète. Et ceci est un ordre religieux venant d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ibn Kathir dit... هذا أمر من الله عز وجل بأن نرد كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه إلى الكتاب والسنة. Donc Ibn Kathir dit, après avoir expliqué le verset coranique, ceci constitue un ordre d'Allah quant à ramener toute chose sur laquelle se disputent les gens dans les fondements de la religion ou ses ramifications au livre d'Allah et à la sunna. Allah a dit aussi, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Ceci nous montre clairement que lors des divergences, la chose qui viendra trancher nos différends, nos divergences, c'est le livre d'Allah. Et la sunna du prophète qui vient expliquer le livre d'Allah. Non, mes frères. يقول المؤلف وقد ذم الله تبارك وتعالى التفرقة ونهى عن الطرق والأسباب التي تؤدي إليه وبين أنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخرة. المؤلف شيخ محمد سعد رسلان حفظه الله تبارك وتعالى أدي الله أبلام la division et a interdit la voie, ou les voies, et les causes qui mènent à elle, à la division. Il a de même mis en évidence que la division est une des plus grandes causes de lâchage, rizlan, c'est-à-dire que Allah te laisse à l'abandon. C'est un des plus grands châtiments qu'une personne elle peut subir dans ce dunya, c'est qu'Allah te laisse à l'abandon. Te laisse aux mains des shayatin. Son contraire, c'est tawfiq. C'est la réussite qu'Allah te donne dans toute chose. Mu'allif, il dit, il a de même mis en évidence que la division dans la religion, est une des plus grandes causes de lâchage et d'abandon de la part d'Allah dans cette vie-là et du châtiment dans l'au-delà. Car effectivement, comme on le verra, la division dans la religion est une cause du châtiment aussi dans l'au-delà. Vous voyez que la chose n'est pas à prendre à la légère. قال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الله dit تبارك وتعالى dans la sourate de Ali Imran, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer ou à diverger après que les preuves leur furent venues. Et ceux-là auront un châtiment énorme. Le jour où certains visages s'éclairciront, alors que d'autres s'assombriront. Yaqul al-mu'allif. Écoutez bien mes frères. Nahahum Allah ta'ala ani suluki maslaki al-mutafarriqin. الذين جاءهم الدين الموجب لقيامهم به واجتماعهم فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعا ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال وإنما صدر عن علم وقصد سيء وبغي من بعضهم على بعض ولهذا قال وأولئك لهم عذاب عظيم. الله leur a interdit le cheminement
de la voix des diviseurs, al-mutafarriqin, ceux-là même à qui fut venue la religion qu'ils devaient appliquer et sur laquelle ils devaient s'unir. Mais ils se sont divisés, ils se sont opposés et se sont constitués en clans. Comme à notre époque, exactement pareil. Vous avez Asha'ira, Al-Khawarij, Naqshbandiya, vous avez Deobandiya, Al-Baha'iya, vous avez l'Ahmadiyya. Tout ça, c'est des voix. Chacun se réclame de la vérité. Chacun se réclame de la vérité et chacun est content de ce qu'il a. Alors, ils se sont divisés, opposés, constitués en clans. Ceci ne fut pas le fruit de l'ignorance. Écoutez bien, c'est important à comprendre. Ceci ne fut pas le fruit de l'ignorance, mais plutôt leur division fut basée sur la préméditation. C'était quelque chose de prémédité. La mauvaise intention et la transgression des uns envers les autres. C'est pour ceci qu'Allah dit, et ceux-là auront un châtiment énorme. Donc ce tafarruq, cette dissension, ces divisions qu'ils ont fait, ils les ont fait sciemment, en connaissance de cause, avec préméditation. ثُمَّ بَيَّنَ مَتَ يَكُونُ هَذَا الْعَذَابُ الْعَظِيمُ وَيَمَسُّهُمْ هَذَا الْعَذَابُ الْأَلِيمُ فَبَيَّنَ أَنَّهُ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَتَفَاوَتُ الْخَلْقُ فِي السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ يوم تبيض وجوه أهل السعادة الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه يدخلهم الله الجنات ويفيض عليهم أنواع الكرامات وهم فيها خالدون وتسود وجوه أهل الشقاوة الذين كذبوا رسله وعصوا أمره وفرقوا دينهم شيعا. Puis Allah a mis en évidence le moment où aura lieu cet énorme châtiment. Et quand subiront-ils le châtiment douloureux? Le jour du jugement. Yawm al-Qiyam. Le jour où les gens se différencieront les uns des autres dans le bonheur et le malheur. Le jour où les visages des gens de la félicité ou les bienheureux s'éclairciront. Ceux-là même qui croyaient, qui déclaraient véridiques les envoyés, qui observait l'ordre d'Allah, qui évitait ses interdits. Allah les fera rentrer au paradis en déversant sur eux toutes sortes de bienfaits pour y demeurer éternellement. Ce jour-là, s'obscurciront les visages des malheureux qui traitaient ses envoyés de menteurs, désobéissaient à son ordre et divisaient leur religion en plusieurs clans. Ibn Abbas a dit, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, je vous rappelle que Ibn Abbas turjuman al-Qur'an wa akbar al-mufassirin ala al-itlaq, c'est le plus grand mufassir parmi les sahaba. Yaqul radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma tabyad wujuh ahli as-sunnah wal jamaa wa taswad wujuh ahli al-bid'ah wal furqah. Il a dit concernant l'explication du verset coranique, yawma tabyad wujuh wa taswad wujuh, le jour où des visages s'éclairciront et d'autres s'assombriront. S'éclairciront les visages des gens de la sunna et du groupe. Ahlu sunnati wal jama'a. Et s'obscurciront les visages des gens de l'innovation et de la division. Kalamoumen Ibn Abbas. Ce propos d'Ibn Abbas, il est très important car il met en évidence une chose aussi très importante. C'est que certaines personnes vous diront, le fait de s'appeler Ahlu Sunnati wal Jama'a n'a aucun fondement dans la religion. Et c'est lui qui vous a appelé muslimin, musulman. Alors ces gens-là, ils disent, ne vous appelez pas Ahlu Sunnati wal Jama'a, ne vous appelez pas Salafiyoun, ne vous appelez pas Ahlu Hadith, Ahlu Athar, et d'autres dénominations qui sont toutes légiférées et acceptées auprès des savants. Ils disent non, appelez-vous musulmans. Mais Ibn Abbas, il a fait cette distinction. Pour quelle raison, mes frères? On fait la distinction dans les dénominations lorsque l'état ou la situation s'en ressent. Lorsque
on est avec un groupe de musulmans qui sont tous sur la sunna. Nous vivons par exemple dans un village, tous les gens sont sur la sunna. Ça existe, il y a des villages comme ça. Tous les gens, ils sont sur la sunna. Est-ce que c'est nécessaire de s'appeler Ahl-Sunnati wal-Jama'a? Il n'y a aucun intérêt à le faire. Pourquoi? Car tu ne t'appelles ou tu ne mets en valeur cette dénomination que pour faire opposition et mettre en évidence les gens de l'innovation et de la discorde. Mais si tous les gens sont sur une même voie, sur la voie de la sunna, alors on s'appelle musulman. Par contre, lorsque les gens de la sunna vivent mélangés avec les gens de l'innovation, là la distinction elle est nécessaire. C'est ce qu'a fait Ibn Abbas ici. Il a mis en valeur les gens de la sunna, à savoir que c'est eux qui auront le visage qui s'éclairciront le jour du jugement, en opposition aux gens de l'innovation qui eux auront les visages qui s'obscurciront le jour du jugement. Le fait de s'appeler Ahl-Sunnati wal-Jama'a est une nécessité dès lors que la situation s'en fait ressentir, ou la nécessite. Non, vous avez compris? Donc, hada laysa bid'atan min al-qawl. C'est pas une bid'a, comme disent certains. Les gens qui auront les visages éclaircis le jour du jugement, ce seront les gens qui se seront efforcés à suivre les traces de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et des compagnons du prophète. Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Un peu plus loin dans le chapitre, le Mu'allif a ramené plusieurs hadiths qui nous enjoignent à s'accrocher au groupe, à s'écarter des groupes dissidents. Il a ramené notamment un hadith qui est très important et qu'on va expliquer un petit peu, Inch'Allah. Wa qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. حديث رواه الإمام البخاري ومسلم من رواية معاوية رضي الله عنهم أجمعين. Donc le prophète a dit صلى الله عليه وسلم, un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur l'ordre d'Allah. Celui qui leur fera défection ou s'opposera à eux ne pourra les nuire jusqu'à ce que survienne l'ordre d'Allah, alors qu'ils seront secourus et au-dessus des gens. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. Mu'allif a expliqué ce hadith terme par terme, car il a beaucoup d'enseignements. Awalan, في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي لا تزال. On traduira par ne cessera d'être. Un groupe de ma communauté ne cessera d'être. لا تزال, ça indique quoi? Ça implique la continuité de leur statut à ce groupe-là, la continuité dans le temps de leur statut et leur état à travers les époques, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne. Donc c'est un hadith qui est intriguant en lui-même. Car il nous appelle à quoi? À savoir quel est ce groupe sauvé, ce groupe secouru, afin que l'on puisse essayer d'y faire partie. Non? Ou d'en faire partie plutôt. « At-ta'ifa », le prophète a dit « La tazalu ta'ifatun ». « Ta'ifa », c'est un terme qui peut s'appliquer à une personne ou plus. Non? « Ta'ifa », ce n'est pas forcément un groupe de personnes. Ça peut être qu'une seule personne. C'est-à-dire que ce hadith-là, il peut s'appliquer qu'à une seule personne à un moment précis de l'histoire. Hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه رهط والنبي ومعه رجل أو رجلان والنبي وليس معه أحد. Il a dit, les nations me furent exposées, c'est-à-dire le prophète, il a vu les nations le jour du jugement, les unes après les autres, les nations de chaque prophète successif. Il a dit, j'ai vu un prophète venir avec un groupe d'hommes, c'est-à-dire ceux qui
l'ont suivi dans la vérité. J'ai vu un autre prophète, avec lui un homme ou deux. J'ai vu un autre prophète tout seul. Imaginez-vous un petit peu, mes frères. Un prophète qui était sur la vérité, tous ceux qui étaient sous son égide ne l'ont pas suivi. Pour vous prouver que la vérité, et ça on va le voir, Inch'Allah, à la fin, la vérité ne se définit jamais par le nombre de personnes qui la suivent. Non ? La vérité ne se définit jamais par le nombre de personnes qui la suivent. De même, Allah dit, tabaraka wa ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'ami. Allah a décrit Ibrahim dans ces versets, ou dans ces deux versets, six qualificatifs, six sifat. Inna Ibrahim كان أمة إماما قدوة يقتدى به. C'est un imam, un guide. À lui seul, il représente une communauté entière. عليه السلام قانتا دوام الطاعة. Il faisait beaucoup d'actes d'adoration, d'obéissance. لا يعصي الله لله مخلصا لله. Il était mukhlis. Hanifan. Hanifan est muqbilan ila tawhid, mudbiran ala shirki. Et en allant vers le tawhid et en se détournant du shirk. Hada huwa al-hanif. Huwa al-muqbil ala tawhid wa al-mudbir ala shirki. Wa ahlihi. Wa lam yakun min al-mushrikin. C'est la cinquième sifat. Il ne faisait pas partie des associateurs. La sixième sifat, shakiran li an'umi. Reconnaissant envers les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que Ibrahim était umma. Kana ummatan. Lorsqu'il a commencé sa prédication, il était tout seul. Est-ce que ceci signifiait que il était dans l'égarement et tous les autres étaient dans la vérité? Non. La vérité, elle se reconnaît comment? Lorsqu'elle est conforme aux enseignements d'Allah tabaraka wa ta'ala. Non? Il donne ce verset-là, ce hadith du prophète, il nous prouve ceci aussi. La tazalu ta'ifatun min ummati. Un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité ou sur l'ordre d'Allah. Ce groupe-là, ça peut être une personne à une époque donnée ou à un lieu donné. Ça peut être un petit groupe de gens, ça peut être un groupe un peu plus grand. Non? Mais il représente toujours la minorité. Il représente toujours la minorité des gens. Naam. Walain tuti' akthara man fil ardi la yudilluka an sabilillah. Et si tu obéis à la plupart des gens qui sont sur terre, ils t'égareront du droit chemin. Naam. La plupart des gens sont dans l'égarement. Ça, c'est une réalité. Yaqul al mu'allif wa fihi في هذا الحديث أن دعاة الحق ليس لهم عدد معين ولا مكان معين ولا زمان معين بل يختلفون في أزمنتهم وأمكنتهم وأجناسهم وعددهم إلا أن الجامع لهم هو منهاج الحق. Il dit, المؤلف, ce hadith nous montre que les prédicateurs de la vérité, ceux qui appellent à la religion d'Allah, ne sont pas définis par un nombre précis, ou proviennent d'un endroit précis, ou à une époque précise, mais ils divergent les uns des autres quant à leur époque, leur lieu, leur origine, leur nombre, si ce n'est que la chose qui les rassemble est la voie de la vérité. C'est la seule chose qui les rassemble. On avait expliqué que les gens de la Sunna, ils se reconnaissent à travers les époques, à travers les lieux. Même s'ils sont contemporains, ils ne se connaissent pas, ils se reconnaissent. Comment? Dans la darwa qu'ils font. C'est la même darwa, c'est la même prédication. Car c'est les mêmes sources de législation. Ils disent la même chose. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, au 8e siècle de l'Hégire, dit exactement la même chose que Cheikh al-Islam à notre époque.
Et il disait la même chose que l'imam Ahmed au 3e siècle de l'Hégire. Et l'imam Ahmed disait la même chose que Abdullah ibn Mas'ud, sahabi, etc., etc. Ils disent la même chose. Ils ont la même croyance, la même façon de voir les choses, la même conception de la religion. Quel que soit l'éloignement des contrées, quel que soit l'éloignement des époques, quelle que soit leur origine, alhamdoulilah, ils ont la même religion. C'est la voie que leur a laissée le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons du prophète. Voilà, c'est une des caractéristiques des gens de la sunna. Les gens de l'innovation, c'est le contraire. Vous verrez que dans une seule voie soufie, on va prendre un exemple très simple, une seule voie soufie, et Tijaniya. Vous verrez que les Tijani au Sénégal ne sont pas les mêmes que les Tijani qu'il y a en Afrique du Nord. Pourtant, les deux, c'est Tijani. Pourquoi? Car leur source de législation, ils l'apprennent des hommes. Ils ne l'apprennent pas d'Allah et du prophète. Ils l'apprennent des hommes, ils l'apprennent des chouyours. Ils l'apprennent de leur maître. Donc, automatiquement, ça varie selon les lieux et les époques. Amma les gens de la sunna, alhamdoulilah. Hada ma yakoulou al-muallif, yakoul, du'atul haqqi, laysa lahum adadun mu'ayyan, wala makan mu'ayyan, wala zaman mu'ayyan, bal yakhtalifuna fi azmilatihim, wa amkinatihim, wa jnasihim, wa adadihim, illa anna jami'a lahum, huwa minhajul haqq. La chose qui les rassemble seulement, c'est la voie prophétique, la voie sur laquelle ils sont. يقول كذلك فيه في هذا الحديث أن دعوة الحق ظاهرة دائمة ولكن ظهورها يتفاوت بحسب الأحوال. ركزوا معي يا أخوتي الكرام. Concentrez-vous avec moi car ça c'est très important aussi. Quand je dis c'est très important, c'est que ça existe à notre époque. Il dit le mu'allif que la prédication des gens de la vérité ou la prédication de la vérité, c'est-à-dire l'islam authentique, zahir, elle est apparente au grand jour. Elle n'a rien à cacher. Elle est apparente au grand jour. Et elle a tout le temps été comme ça. Walakin, son degré d'apparition, il dépend des situations. Effectivement, là-bas, c'est ça. La da'wa du prophète, ou la da'wa du menhaj al-nubuwa, elle se fait aux yeux et aux vues de tout le monde. Walakin, dans certaines situations, elle a besoin d'être cachée. Ça ne constitue pas une base dans ceci. Je vous donne un exemple très simple. À une époque, je parle par exemple à l'époque de l'imam al-Barbahari, les gens de la sunna étaient persécutés. Persécutés, c'est-à-dire emprisonnés, tués, châtiés, torturés. Les gens de la sunna, les maslahati da'wa, après avoir fait tout ce travail d'analyse, à savoir, est-ce que la da'wa doit être fait plutôt en soubassement, cachette, dans un premier temps, ensuite elle apparaît au grand jour, ou alors elle se fait directement au grand jour. Certains savants préconisaient de faire une darwa, par exemple, à certaines catégories de personnes, afin qu'elles prennent de l'ampleur et de la vigueur, de la force, et qu'ensuite elles puissent se répandre. Alors qu'à l'époque de l'imam al-Barbahari, la darwa, la sunna, au grand jour, elle était directement arrêtée et ceux qui la faisaient étaient châtiés. Donc les gens de la sunna à cette époque-là, ils n'avaient pas l'assise nécessaire pour se confronter aux gouverneurs qui combattaient la sunna ouvertement. Vous voyez ? Donc la situation, elle imposait ceci. Mais la règle générale chez les gens de la sunna, la règle générale, c'est que la darwa du livre dans la sunna du prophète se fait au grand jour. Écoutez bien. يقول المؤلف فيه أن دعوة الحق بظهورها ووضوحها على الداعين لها تخالف تلك الدعوات التي تتجنب الظهور وتعتمد على السغرية والغموض تارة وعلى التلون والتخفي تارة أخرى. Il dit cette da'wa, la prédication de la vérité est toujours au grand jour. Le degré de cette apparence dépend des situations, comme je vous l'ai expliqué. Puis il dit, elle vient en opposition aux prédications
qui évite justement la manifestation au grand jour et qui s'appuie sur des prédications secrètes et obscures ou versatiles et dissimulatrices par moment. Comme par exemple la darwa de certaines confréries soufis. Certaines confréries soufis, ils ont deux discours. Ils ont un discours pour l'ensemble des musulmans et ils ont un discours pour les initiés. Le discours pour les initiés n'y a accès que les initiés. Il faut rentrer dans ce cercle-là pour pouvoir accéder à ces initiations soufis, délirantes et égarées. Donc elles sont cachées. Pourquoi elles ne sont pas au grand jour, celles-là? Tout simplement car si elles étaient au grand jour, elles seraient directement combattues par les savants de la Sunna, qui mettraient leur aberration et leur égarement aux yeux et aux vues de tout le monde. Mais par peur de ceci, ils préfèrent garder ces choses-là entre eux. Il n'y a pas de ça chez les gens de la Sunna. Alhamdulillah, tout est clair. De même qu'il dit وَعَلَى التَّلَوُّنِ وَالتَّخَفِّي. Ça, c'est encore plus vicieux. Ça, c'est le genre de prédication à double langage. C'est quand je suis avec les gens de la Sunna, je mets l'habit de la Sunna. Quand je suis avec les gens de l'innovation, je mets l'habit des gens de l'innovation. Ce que font les chiites, par exemple. Les chiites, ils aiment bien ça. D'ailleurs, ça constitue un fondement chez eux. Ce qu'on appelle le taqiyya. Ils disent quoi? Ils disent, lorsque vous êtes avec les gens de la Sunna, n'insultez pas les compagnons. N'insultez pas Aïcha. Ne parlez pas des caractéristiques que possèdent nos imams, nos 12 imams. Ne parlez pas de ça. Restez en accord avec eux. Parlez de choses sur lesquelles ils sont d'accord. Voilà qu'ils, lorsqu'ils sont dans leur mosquée, là, ils parlent ouvertement de leur vraie croyance. Jusqu'à insulter les compagnons sur le minbar. Taqarruban ila Allah tabaraka wa ta'ala. Yataqarrabun ila Allah bisabbi sahaba. Beaucoup de gens ne croient pas à ça. Ils se rapprochent d'Allah. Pour eux, c'est un acte d'adoration par lequel ils se rapprochent d'Allah en insultant les compagnons. Jusqu'à ce qu'il y ait un d'eux, un grand savant chez eux, qui a dit, si j'avais l'occasion d'avoir l'autorité sur la mosquée du prophète, je délogerais ce qu'on appelle napsh. C'est-à-dire, je déterrerais Abu Bakr wa Omar, je leur couperais leur tête. Je mettrai leur tête sur deux piliers devant le cimetière d'El Baqir et je brûlerai leur corps. Il l'a dit, bilharf al-wahid, il l'a dit. C'est quelque chose qui est connu chez eux. Hein? Mais ça, ils ne le diront pas devant les gens de la Sunna. Ils le diront qu'entre eux seulement. Qu'entre chiites. Quand vous observez les débats entre chiites et sunnites, lorsque les gens de la Sunna les retranchent dans ces choses-là, ils disent non, 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 c'est pas ça qu'on a voulu dire, il y a une divergence chez nous. Ce qu'on appelle talawun, hein, la versatilité dans les propos. Je dis ça, je dis rouge aujourd'hui, demain je dis blanc, et après-demain je dis vert. Ils ont plusieurs discours. Alors ça, c'est les prédications des gens de l'innovation, d'une manière générale. Ou bien c'est secret. Ça reste confiné à une catégorie de personnes, à des initiés. Ou alors, c'est des prédications à double discours, ou bien triple discours. Amma, la prédication des gens de la vérité, c'est un discours qui est unique. Alhamdoulilah, et qui est compréhensible et qui est clair pour tout le monde. Naam, on n'a rien à cacher. Bien au contraire, les gens de la Sunna considèrent, d'après les versets coraniques, que celui qui cache une science, il s'expose au châtiment d'Allah, tabaraka wa ta'ala. يقول المؤلف هلدي يقول فيه أن لدعاة المنهج الحق مضغرين مخذلين ومخالفين. Il dit, les prédicateurs sur la voie de la vérité, c'est-à-dire les savants de la Sunna qui appellent à cette voie-là, subissent toutes sortes de préjudices, sont lâchés, c'est-à-dire sont abandonnés,
et sont contredits ou opposés. Ça, c'est quelque chose qui est connu. D'accord ? De tout temps. Le premier parmi eux, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non ? Les gens de la sunna, les gens de la vérité, d'une manière générale, ont toujours des opposants. C'est une loi d'Allah universelle. On ne peut pas y déroger. C'est comme ça. D'accord ? En premier lieu, les prophètes, qui ont subi toutes sortes de préjudices, par même leur propre par les membres de leur propre famille même. Yaqul al-mu'allif kadhalika, parmi les enseignements qu'on peut tirer de ce hadith, تثبيت الله تعالى وحفظه لدعاة الحق وذلك بدفع ضرر المخذلين والمخالفين. Le raffermissement et la préservation que porte Allah le Très-Haut sur les prédicateurs de la vérité, et ceci en repoussant les préjudices des lâcheurs, مخذلين, et des contradicteurs ou des opposants. Non. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il porte une attention toute particulière aux gens qui font da'wah, aux gens qui appellent à la sunna. Non. Certes, le prophète a subi des injustices, certes, le prophète a subi toutes sortes de préjudices. Walakin, au final, innal aqibata lil muttaqin. Au final, la da'wah du prophète, elle s'est répandue. Elle s'est répandue dans le temps et dans l'espace. Non. Donc, les savants ou les prédicateurs subissent toutes sortes d'injustices, mais ils bénéficient au final de la protection d'Allah et du soin que leur porte Allah tabaraka wa ta'ala. Hifdullahi tabaraka wa ta'ala lahum. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ce hadith ? Yaqul mu'allif dawam hifdillahi ta'ala li da'wati al-haqq wa ahliha. C'est que j'ai oublié quelque chose, dawam al-mukhalafati li da'wati al-haqq wa ahliha. C'est que ceux qui s'opposent à la prédication des gens de la vérité, elle est aussi continuelle dans le temps. Et ça, on le déduit de quoi ? La tazalu. Pareil, le soin que porte Allah, tabaraka wa ta'ala, aussi, il perdure dans le temps. Dès lors que ces injustices perdurent, Allah tabaraka wa ta'ala raffermit aussi. Le raffermissement d'Allah et la protection d'Allah aussi, elle perdure dans le temps. كذلك دوام نفع هذه الطائفة المباركة لأنفسهم وللناس وبما يدلون عليه الناس من الخير والهدى. La continuité du bien que prodigue ce groupe envers eux-mêmes et envers les gens quant à leur prédication sur le bien et la guidée. C'est-à-dire que ce bien-là, il est aussi continuel à travers les époques. كذلك وهو الجامع لكل ما سبق البشارة لأهل دعوة الحق بأنهم هم المنصورون في الدنيا ببقاء دعوتهم والمنصورون في الآخرة بحصول العاقبة الحميدة والعاقبة للمتقين. Et aussi, c'est la bonne annonce pour eux, à savoir qu'ils sont secourus dans cette vie-là par le biais de la pérennité de leur prédication et secourus dans l'au-delà par l'obtention d'une fin heureuse et louable. Et Allah dit, et la bonne fin appartient aux croyants. Il dit aussi le mu'allif, quelque chose de très important. وَفِيهِ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَقِّ مِنْ هَذِهِ الطَّائِفَةِ هُمْ أَدْرَى النَّاسِ بِالْبِدَعِ عِلْمًا وَأَبْعَدُهُمْ عَنْهَا عَمَلًا وَأَشَدُّهُمْ مِنْهَا حَذَرًا وَتَحْذِيرًا وَلِلُزُومِهِمْ لِلسُنَّةِ. Ce qui signifie, les gens de la vérité sont les plus à même de connaître les innovations religieuses et les plus à même de s'en écarter. Les plus intransigeants quant à la mise en garde et à la dénonciation de celles-ci, et ils sont les plus ardents à l'attachement de la sunna. Quelque chose aussi qui est connu, et qui est connu de tous, même des gens d'innovation. Là, on ne peut pas leur enlever ça. طيب يقول المؤلف ختاما لهذا الباب فطريق الخلاص من الفرقة والاختلاف هو اتباع طريق الفرقة الناجية المنصورة وهي الجماعة وهم الذين يسيرون على أثر النبي صلى الله عليه وسلم
وأصحابه وهم الذين يلتزمون منهاج النبوة لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه. Il dit, le mu'allif, hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, la voie de sauvetage ou de la délivrance concernant la division et la discorde réside dans le suivi du groupe sauvé et secouru. Sauvé, car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, افترقت اليهود على 71 فرقة. Les Juifs se sont divisés en 71 sectes. افترقت النصارى على 72 فرقة. Et les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة من هي يا رسول الله؟ فقال الجماعة وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. نعم. Ce hadith il est authentique, authentifié par plusieurs chaînes de transmission où le prophète a dit les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens en 72 sectes et ma communauté se divisera en 73 sectes. Elles iront toutes dans le feu de l'enfer sauf une. Les compagnons ont dit quelle est celle qui sera sauvée? Ô envoyé d'Allah. Il dit, c'est le groupe, Al-Jama'a. Et quand on dit le groupe, c'est le groupe, le premier groupe de croyants, Sahaba. Et tous ceux qui sont sur cette voie-là. Dans une autre version, le prophète a expliqué en disant, c'est ceux sur quoi je suis moi et mes compagnons. C'est-à-dire ma voix et la voix de mes compagnons. Donc, c'est en ceci que le mu'allif dit le groupe sauvé. C'est par rapport à ce hadith-là. Et le groupe secouru, c'est le hadith qu'on vient d'expliquer. La tazalu ta'ifatun min ummati. Zahirin ay mansurin. Zahirin ala al-haq. C'est-à-dire, ils sont secourus par Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils ont le soutien d'Allah. Ces deux groupes-là, le groupe sauvé et le groupe secouru, c'est la même chose. C'est Ahlus Sunnah wal Jama'a. C'est la même chose. Ce sont ceux qui sont sur ce quoi était le prophète Aïssatouassalam et les compagnons du prophète. Alors, le mu'allif, il dit, je reprends, la voie de sauvetage et de la délivrance de la division et de la discorde réside dans le suivi du groupe sauvé et secouru, qui est le groupe Al-Jama'a, ceux qui cheminent sur les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et qui suivent et appliquent scrupuleusement la voie prophétique sans y déroger. نعم. يقول المؤلف والاتباع لا يكون صحيحا الا بثلاثه امور. Il dit que le suivi maintenant, parce que maintenant on sait que il nous est obligatoire de suivre et de ne point innover. Le cheikh nous donne ici quelles sont les trois choses qui vont nous permettre d'avoir un suivi valide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit, le suivi n'est valide que par l'observance de trois points. Le suivi n'est valide que par l'observance de trois points. Al-amr al-awwal, al-i'tisam bil-kitab wa sunnah. Premier point, l'attachement au livre d'Allah et à la sunnah du prophète. C'est clair ? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Thaniyan, deuxièmement, عدم التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة ولا تفرق. La non-division et opposition au livre et à la sunna. D'accord. Troisième point. الثالث أن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح لا بفهم غيرهم. Le suivi du livre et de la sunna est attaché à la compréhension des pieux prédécesseurs et non à une autre compréhension. Donc suivre le livre, l'attachement au livre d'Allah et à la sunna du prophète, ne pas s'opposer au livre d'Allah et à la sunna du prophète, et enfin, suivre le livre d'Allah et la sunna du prophète selon la compréhension des pieux prédécesseurs. يقول المؤلف وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته بأعظم البشرى
وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تحصيل أكبر مقصد يقصده العبد إنما يكون باتباع سنته. فأعظم غاية أن تدخل الجنة، وأعظم غاية أن تفوز بالرضوان، وأن تكون في جوار الرحمن، وأن تدخل عليا الجنان، وأن تكون مع النبي العدنان. هذا هو أعظم مقصد. مؤلف الدي Le prophète a annoncé la bonne nouvelle à ceux qui s'accrochent à sa sunna par la plus grande des bonnes annonces. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence que l'obtention du plus grand désir que pourrait désirer le serviteur ne pourrait se faire que par le suivi de sa sunna. Et le plus grand objectif est le paradis. Le plus grand objectif est que tu atteignes l'agrément d'Allah, que tu sois aux côtés du tout miséricordieux, que tu t'introduises dans les hauts jardins du paradis et que tu sois en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حديث rapporté par l'imam al-Bukhari d'après une version de Abi Huraira. Le prophète a dit à cette wassalam: toute ma communauté rentrera au paradis sauf celui qui s'y refuse. قيل, alors on a dit: quel est celui qui s'y refuse, ô envoyé d'Allah? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam: celui qui m'obéit rentrera au paradis. Celui qui me désobéit ou aura refusé d'y rentrer. Naam. Donc vous voyez bien que l'entrée au paradis est conditionnée par l'obéissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'obéissance du prophète, bien sûr, est conditionnée par le suivi de sa sunna. Et enfin, pour finir, les innovations religieuses ne sont pas toutes au même degré, de gravité. يقول المؤلف من البدع ما هو كفر صراح يخرج من الملة قولا واحدا. Parmi les innovations religieuses, il y a celles qui constituent une mécréance claire et évidente, de telle sorte que celui qui l'a fait sort de l'islam. Qawlan wahida, unanimement, à l'unanimité. Un exemple, celui qui demande l'intercession des morts, celui qui demande le secours des morts, celui qui attribue à des êtres humains des qualificatifs divins, celui qui se laisse adorer en dehors d'Allah, celui qui prétend connaître l'invisible. Tout ça, ce sont des innovations religieuses qui font sortir la personne de l'islam. Ce sont des actes de mécréance. C'est ce qu'on appelle bid'atun mukaffira, innovation excommunatrice, si on peut l'appeler comme ça, qui excommunie la personne de la religion. En dessous de ça, il y a des innovations religieuses qui amènent à la mécréance, qui ne sont pas une mécréance en elle-même, mais qui amènent à la mécréance. Par exemple, ce que font certaines personnes, c'est qu'ils vont dans les cimetières et ils invoquent Allah dans les cimetières. Car ils aiment bien la présence, par exemple, de leur chir qui est enterré à côté. L'acte qu'il fait ne le fait pas sortir de l'islam, mais ça peut l'emmener. Il est au bord du gouffre. Ça peut l'emmener à quoi? À croire des choses qui vont le faire sortir de l'islam. Croire par exemple que l'exaucement de son invocation ne peut se faire que par l'agrément de son chir, par exemple. Quelque chose qui est connu chez les soufis. Ou alors, l'exaucement de son invocation est conditionné par l'endroit où il est, à côté de son chir, ou à côté de telle et telle personne. Ça, c'est du shirk. Là. Donc, il n'a pas fait un acte de shirk ou une innovation religieuse qui le fait sortir de l'islam, mais ça peut l'emmener directement au shirk. En dessous de ça, on a des innovations religieuses qui relèvent plus
de la désobéissance, le fait de sortir de l'obéissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme par exemple, celui qui décide d'instaurer à prier 2 rakat à 00h30 ou à 1h du matin. Si elle dit que cette innovation, que ce qu'il est en train de faire, c'est un ordre qui vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est une obligation religieuse, il sort de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il a légiféré. S'il dit que c'est quelque chose qui vient de lui, et il le fait pour une maslaha, pour un intérêt quelconque, ah, c'est une innovation religieuse. D'accord? Dans tous les cas, il n'a pas le droit de le faire. Vous avez compris? Et enfin, le fait de ce chapitre, par un verset coranique qu'on a eu déjà l'occasion de citer auparavant, où Allah dit, tabaraka wa ta'ala, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله تبارك وتعالى. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre qui contient des versets clairs et évidents, qui représentent la base du livre, et d'autres versets qui peuvent porter à plusieurs explications ou interprétations. Quant à ceux qui ont une déviance dans le cœur, ils s'efforcent à suivre et à rechercher ces versets à ambiguïté, afin de créer la dissension et la discorde, et la fitna. Alors que nul ne connaît le véritable sens qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ou alors, nul ne connaît l'explication de ces versets-là, sauf Allah et les gens de science. On peut l'expliquer des deux façons. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, concernant cette catégorie de personnes qui s'efforcent à chercher dans les textes religieux tout ce qui est en ambiguïté. D'accord ? Afin de créer la discorde et le trouble envers dans les rangs des musulmans. Le prophète a dit: "Idha ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa'ulaika alladhina samma Allah fahdharuhum." Hadith rapporté par Bukhari d'après la version de Aïcha. Le prophète a dit: "Si vous voyez ces gens-là qui cherchent dans les textes religieux ces versets à ambiguïté, où il peut y avoir plusieurs explications, alors ce sont ceux qu'Allah a cités nominalement. Lazina fi qulubihim zayrun. Prenez garde d'eux. Faites attention à eux. Là, que font-ils ces gens-là? Tout très simplement, ils vont chercher dans le Coran ou dans la Sunna des textes qui prient tout seuls peuvent prêter à plusieurs explications. Et ils vont te dire, toi tu l'expliques comme ça, nous on l'explique comme ça. C'est ton opinion, c'est la nôtre. Hein? En créant par ceci la division, en cherchant la division. Ce n'est pas par ignorance qu'ils font ça, mais c'est un acte prémédité. Hein? Moi, avec la mauvaise intention derrière. Alors que les gens de la Sunna, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les versets al-muhkam, les versets où il n'y a pas d'ambiguïté, qui constituent la base du livre, comme le dit Allah, hunna ummul kitab. Et les versets qui portent à plusieurs explications ou ambiguïtés, ils les expliquent sous la lumière de ceux qui sont clairs et évidents, afin que, au final, tout soit évident et clair pour tout le monde. Là, voilà la méthodologie des gens de la Sunna. Les gens de l'innovation ne font pas ça. Ils prennent ces versets à ambiguïté et ils les jettent comme ça, comme on jette par exemple du venin ou de l'acide. Et ils disent, débrouillez-vous avec ça. Il y a plusieurs avis, etc., etc. Là. Donc le prophète nous a mis en garde contre ce genre de personnes. Et on le verra, Inch'Allah, dans les chapitres futurs, Inch'Allah, on verra que
parmi les choses des gens d'innovation dans l'approche des textes religieux, ils parlent toujours de façon globale, sans rentrer dans les détails, afin de créer la confusion. Non, ils parlent toujours de façon globale et générale sur des problématiques religieuses, sans rentrer dans les détails, là où les détails sont nécessaires, où l'explication est nécessaire. Eux, ils restent mujmalan. Tout ça pour pouvoir derrière donner toutes sortes d'explications à leur guise. On le verra ça, Inch'Allah, en détail, et on verra que Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyyah et d'autres savants ont dénoncé ceci et ont pointé du doigt ce genre d'agissement. Naam. Waqtafi bihadha al-qadr. وصلي وسلم على نبينا محمد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم لحسن استماعكم وقل رب زدني علماً.